J'ai répondu aujourd'hui à l'invitation de Linda Belaïdi, qui est une des protagonistes qui a effectivement organisé cette soirée, dont le but est de réunir à travers le monde des personnalités qui ont réussi dans leur domaine respectif et qui ont une origine, en tout cas un dénominateur commun, ce sont des origines algériennes. Donc ils se retrouvent régulièrement. Ce soir, ils font cette soirée à Paris et Linda m'a demandé gentiment d'être soutien de cet événement, et ce que j'ai accepté immédiatement. Alors, qu'est-ce que j'attends, moi particulièrement? Je trouve que tout ce qui participe effectivement à la mise en réseau, aux synergies, au rassemblement de compétences et de talents, a une vocation vertueuse et qui tire finalement les personnes vers le haut. Et je crois que ce sont ces démarches-là qui font reconnaître des personnes qui ont réussi, qui sont installées dans la société, qui produisent de la richesse, qui participent activement aussi, ils sont acteurs de cette société, et qui finalement est le pendant de ce qu'on a trop l'habitude d'entendre, c'est-à-dire lorsqu'on est d'origine maghrébine, eh bien, on est souvent synonyme d'échec ou d'assister de la société. Et cette association finalement démontre, et ce n'est pas la seule puisqu'il y en a plusieurs, démontre effectivement qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de réussite, qui demande qu'une chose, eh bien, c'est de tisser des liens, travailler ensemble et essayer d'illustrer ce lien entre les pays où ils sont installés et leur pays d'origine, pour essayer de faire des partenariats commerciaux, économiques, j'espère de recherche aussi, d'enseignement supérieur, tout ça, en tout cas tout ce qui concourt à tirer les personnes vers le haut, où qu'ils soient de part et d'autre de la Méditerranée.